présenter le train des enfants. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de La goûteuse d'Hitler de Postorino. Ça va être un succès comme ce livre-là. Il a été traduit dans 29 pays. Enfin, ça va être un gros succès. Et pour l'histoire, ça se passe du coup après la Seconde Guerre mondiale. Sous l'initiative des communistes, tous des enfants issus de familles assez pauvres des quartiers de Naples ont été envoyés dans des familles du nord de l'Italie. Pour connaître un autre milieu. Du coup, ils sont déchirés entre ces deux familles, la famille assez pauvre et la famille assez riche, donc deux milieux complètement différents, et c'est un très beau livre, une belle découverte.